Salut les cafardinos, c'est parti. Donc là il y a Vitality Dream Eaters, on est sur Inferno. Vitality, comment c'était? Donc le choix de map, c'était celui de Dream Eaters, parce que celui qui choisit la map, l'adversaire choisit le side. En tout cas au Major, c'est comme ça que ça fonctionne. Personnellement, j'ai mis 100 euros sur Vitality, donc on y croit très très fort. Allez, let's go. Faut savoir que Dream Eaters sont une assez bonne équipe sur Inferno. Ils ont très peu de maps. Et là, on a Alex déjà qui continue de faire son fou. On est en 5v4, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Là, on prend les apparts tranquille chez Dream Eaters. On joue très lent. On a voulu prendre un petit peu la banane. Alex qui gagne son duel. Ça donne un bon petit avantage. Derrière, il a pris le kill B. Et il se redirige au niveau du A pour renforcer la défense. C'est un bon choix pour le moment, étant donné que tout le monde est à part et que ça s'apparente, en tout cas, à une exec au niveau du A. On a une molo, une flash, molo pit certainement, ou after plant. On smoke votre cul et on va s'infiltrer dans la votre cul, tel des bons petits russes qu'on est. Hop, on va au spawn. Apex et Zio ont dû avoir l'info. Ouais, ils se sont placés ruines. Ils se sont placés ruines en crossfire, en bait. Ouais, donc là, Zio, clairement, il crée un bait pour Apex. Voilà, il en laisse passer un, hop, ça passe, merci, au revoir. Et c'était un carnage. Donc là, tactiquement, c'était vraiment propre de la part de Vitality. On peut voir qu'Alex fait un kill en B, il rotate en A. On a l'info que ça passe spawn CT. La réaction des défenseurs en CT, Zio et Apex, faire un crossfire sur la ruine en créant un bait. GR maîtrisé, il y avait de l'idée dans celui de Dream Eaters, mais je pense qu'ils se sont compliqués la vie là. Ce sont un peu compliqués la vie. Donc, let's go. Oui, j'ai un code parrain sur ces bêtes. Point d'exclamation, ces bêtes. Vous allez avoir le lien et vous mettez MalexSGO tout attaché. Tous ceux qui veulent parier. C'est enfin disponible pour les francophones, les français et tous les francophones. Donc, on va se mettre bien. On va se mettre bien avec les paris. Et puis, c'est surtout pour se divertir, tu vois, pour essayer de kiffer un peu les matchs. Tu sais, tu paries, t'as l'adrénaline un peu, tu suis ton équipe, t'es passionné par le jeu, tu... C'est dans cet état d'esprit-là que moi, plutôt, je parie, tu vois. Je vais parier pour les grosses compétitions, comme le Major, ou des DreamHack, les ESL One, des IEM, des trucs comme ça, quoi. Bref, on repart au round. Force Bite de la part de Dream Eaters, qui fait un contrôle au niveau du M2. Exec Apart, on est 4 côté A. Apex est déjà là, on est 4 en A pour réceptionner le bail. On a toutes les infos. Là, l'exec part, c'est un carnage. Il y a des trades qui partent. Tout blanc, aïe 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 aïe, Alex se retrouve en 1v2, les très très bons stuff de la part de Dream Eaters. Alex en 1v2, il a pas de kit, il sait que certainement qu'il y en a un à l'OHP. Ils sont en crossfire, un pit et un BP, ils sont très très bien là les terreaux. Voilà, on a le premier contact. On essaye d'isoler le mec pit pour essayer de jouer le mec qui est au niveau du BP. Ah, c'est dommage. Ça passe pas et on prend une écho. Enfin, on prend pas. On prend le round d'anti-écho. Sachant qu'on était 4, les positionnements n'étaient pas optimisés, je pense, pour Vitality là. On était un peu en plein milieu de tout, exposé au flash. Personne n'était BP dans la derrière la première caisse. Le mec pit, personne n'a fait les kills. Là, NBK fait pas de kill, RPK fait pas de kill. C'est compliqué, là malheureusement. Et on force. Alors faut savoir que sur Inferno, on peut se permettre de force énormément, de jouer avec une puissance d'armement très faible et de maximiser avec les stuffs. Parce que c'est une map très fermée, très serrée, et où les smokes ont un énorme, énorme, énorme impact. Pareil pour les HE. On peut voir déjà Kingy qui a pris une belle HE de la part du binôme en B et il a fini à 40 HP, donc voilà, il switch naturellement son arme, il a donné son AK. Bon, prise à part, ils jouent bien les terreaux, ça se voit que voilà, ils sont plutôt à l'aise sur Inferno. Contrôle mid, ils développent leur jeu. Voilà, on met les flashs pour essayer de faire reculer la défense, de faire reculer les lignes. On est en train de se regrouper en B, on peut voir Forester et Krat qui sont en train de repartir au niveau du B, et là on va exec. C'est typiquement le jeu des Russes, je vous le dis, c'est contrôle map, retour exec. Ils l'ont fait là au pistol, ils l'ont fait à l'anti-écho, et là ils sont en train de le faire en round d'armée entre guillemets. Mais Apex, regardez, il est déjà en smoke pour... voilà, hop là, smoke d'Apex, sauf que tout le monde cross, il peut pas enchaîner parce qu'il est blanc. 4v4, ça va jouer la retake, ça va être compliqué. Je pense que si Apex ne fait pas un autre kill, ouais, ça va partir sur un...
sur un petit round save, save, exit. Voilà. Ça se voit tout de suite, voilà, directement. On a Alex, regardez, en bas de la carte. Alex qui est déjà au niveau du spawn terreau. Donc là, le but, c'est de faire tomber des armes, potentiellement récupérer une AK, un MAC-10, et c'est pas grave, on rejouera le round d'après. Voilà. Comme je vous le disais, sur Inferno, la map est très fermée. Ça veut dire que l'efficacité des smokes, l'efficacité des molos, l'efficacité des HE est très importante. Une HE bien timée, ça fait des dégâts. Une molo, ça stoppe un rush. Une smoke, derrière, on se met avec un énorme avantage pour défendre. Donc, c'est pas trop mal. Dream Eaters joue bien. Vitality aussi dans son match. On sent quand même que... Enfin, je trouve quand même que là, depuis 3 rounds, c'est pas mal au niveau défensif. Les rotations, ça coulisse bien. L'anti-écho, ils étaient 4, mais bon, tout le monde était blanc. Donc un manque de rigueur sur peut-être un mec anti-flash, des trucs comme ça. C'est le début du match, on peut se faire surprendre. Vitality apprécie énormément Inferno. Donc on va voir ce que ça donne. Contrôle banane pour Kingy. Juste petit mollo de présence. On prend le mid. Vraiment, ils ont pas peur. Hein. Là, le mec est tout seul. Déjà pris les apparts à 1.35. Ils sont assez rapides, je trouve, là, les Russes. Genre à 1.30, ils ont déjà le mid. Là, regardez, Crad, il se met bien dans une position plutôt anti-flash. Genre pour éviter la retake des CT potentiels ou des trucs comme ça. On dézone bien le coin pute dans la longue. Qu'est-ce qui se passe? Les CT en réponse, ils smoke la longue. Pour ne pas leur permettre de développer leur jeu au niveau du mid. Là, il y a une fake exec en B pour essayer de faire un appel de jeu, voir s'il y a de la réaction. Voilà. Derrière, on est fort. On est fort côté B. On va voir la réaction là. Faut de la rotation là. Faut de la rotation. Voilà. Zio, il tire un peu pour essayer de voir s'il y a de la réponse. Là, il donne l'info qu'il y a de la réponse. Regardez Apex, il est déjà en train de rotate. Ah, c'est dommage là. RPK qui meurt, MBK qui se fait malheureusement rusher, il est en difficulté avec un USP, c'est dur. Ça manquait de une demi-seconde quoi, il nous fallait une petite seconde pour avoir l'info. Excusez-moi. Ça joue lent, hein. Ça joue très très lent. Et encore une fois on a exec, hein. Côté Dream Eaters, on a fait un petit fake en B. Et on déboule en A. Ils jouent très groupés. Vraiment typiquement c'est le jeu des Russes de manière générale. Et surtout Dream Eaters qui est plutôt jeune et qui a pas un grand panel de principes de jeu, tout ça. Donc c'est comme ça qu'ils jouent quoi. Forester pas naïf. Sivat non plus. Rune parfait pour Dream Eaters. Rune parfait, regardez l'argent. Ils vont avoir deux rounds bonus. C'est-à-dire que même si Vitality met le moindre round, derrière, ils ont quand même de l'argent pour se racheter Dream Eaters. Aïe, 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 aïe. Mon argent s'envole. Mon argent s'envole. On a round armé, pas d'AWAP, côté Ziwo. On est au FAMAS, on privilégie le stuff. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la map où... Waouh. Très agressif la prise banane là. Est-ce qu'ils vont débouler dessus directement ou pas? Mais en tout cas très 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 agressif. On peut très peu contester côté Vitality aussi. Faut pas l'oublier. Étant donné qu'on n'a pas trop d'argent. On a Apex qui est au niveau du spawn CT. Regardez, il a une... Ah ouais d'accord, Apex. Et on déclic. Hein. Et les Russes de toute façon ils se posent pas trop de questions. Là, c'est Crossfire. On va jouer sur le stuff. On va voir comment on va se débrouiller Alex et Apex. Voilà, les stuff et call. Apex fait un kill. On est en 5v4. Il faut que Alex tienne le coup maintenant. Allez, un kill pour Alex. Gagne du temps, petit. Gagne du temps, frérot. Gagne du temps. Fais-nous plaisir. 5v3. Alex se fait faire tomber enfin. Une grosse épine dans le pied côté russe. Apex arrive à prendre un kill dans la smoke. On est 4v2. La retake va être mise, je pense, sans problème. Voilà, la grosse hache sur speed qui fait mal. Apex
qui le déchire. Il donne l'info du mec qui est C4. Heureusement qu'il se repositionne. Il a... Oh là là, il a dû... Son PC, il a dû... Alors, les règles. Alors, pour ceux qui comprennent... Là, il va y avoir une pause, je pense, technique. Parce que là, on a clairement vu que son PC a crash ou un truc du genre. Il avait excellemment bien joué son clutch. Il était C4. Apex donne directement son info. Donc Ziwo a voulu reprendre. Il s'est fait punir parce qu'il a voulu pré-shot sur le C4 et il s'était bien repositionné. Ou alors il a pas crash. Je sais pas. C'est réglé. Il y a pas de pause. Bon, belle retake en tout cas. Le clutch était très bien joué de la part du terreau où il se repositionne parce que son info est connue et il veut changer. Et derrière. Et derrière, il a quand même fait tomber un peu d'armes. Et on n'a pas trop d'argent chez les CT. Hein. Regardez, on n'a pas mis d'économie étant donné qu'on perd 3 armes. À partir de 3 armes de perdu, c'est comme si on était dans la merde. Je tiens à vous le préciser. Pas beau round de la part d'Alex et Apex. Apex a fait un énorme round là. NBK qui attend peut-être une petite info au niveau du son ou quoi. La flash part. Oh, on prend une petite info, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'il fait Apex? Regardez, Apex il est en train de rotate immédiatement vers le B. Donc voilà, petite prise d'info, la communication est fluide. Les rotations sont très bonnes. Même si on a pris l'anti-écho et tout, il y a du 2-3. Mais je trouve que le jeu de Vitality pour l'instant est beaucoup mieux. Oh là 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 là, Crad qui met une petite dégueulasserie à NBK dans la smoke. Mais Apex est déjà là, donc défensivement on est bien pour le A, mais la bombe est côté B, donc wow, c'est compliqué là. Et c'est le speed B, Apex qui fait un kill. On sait qu'Apex est le joueur du B, donc là on est très très bien. Là on est très très bien côté Dream Eater. Ils ont split la map en deux, regardez les CT, il y a eu de l'action-réaction, RPK il a rushé le mid, Ziwo qui fait le kill. Alex se fait déchirer, maintenant on sait que le B est totalement libre, on a tué Apex et Alex, c'est ça, RPK, regardez l'action de RPK, très très bon move d'RPK, il sera attendu par contre par Kingy, c'est bon, Ziwo 2v2, Kingy, maintenant c'est ça, eh ouais mais, c'était le kill crucial, le move d'RPK est excellent, les mouvements sont bons, vraiment les mouvements sont bons, il y a plein d'action-réaction, on perd le mid, on agresse, on a perdu la longue, on en réagresse, Ziwo qui joue son 1v2, c'est normal. C'est Zinedine, on a peur de rien. Il y en a un infiltré sur le BP. Ah, il va être naïf. Il a les deux infos désormais. Ah, dommage. Superbe round de la part de Dream Eaters. Manque de chance pour NBK. Belle réaction de la part d'RPK, mais trop tôt, trop tard. Enfin, Dream Eaters a vraiment excellemment bien joué le round. Le mec au spawn, c'était une grosse épine. C'était une grosse épine avant que Ziwo vienne le tuer. Ça a mis du temps. Là, je pense qu'il faudrait peut-être coller une pause. Parce que là, regardez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a mis un rune. Mais vu qu'on a perdu 3 armes, eh ben, l'économie ne nous permet pas de racheter derrière. Donc là, ils vont jeter ce rune à la poubelle et racheter celui d'après. Donc là, Dream Eater joue excellemment bien. Et mon argent s'envole. Vita dans la sauce. In the big sauce, mon frère. Là, c'est chaud. Belle réaction. On est 3 dans la short. Apex et Alex qui décident de faire un petit stack en A au niveau de la vodka. Peut-être une reprise tranquille. Ouh, la molo va faire le mal. Voilà. Apex, il rate un peu. Belle réaction de la part des terreaux. On vient de tuer Apex. Donc, tout de suite, on sait que le B est faible. C'est ça qui est important à haut niveau. Qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que. Les équipes préparent les matchs et connaissent les rôles des joueurs et les positionnements des joueurs. Donc ça veut dire que quand tu sais que Apex est le pivot du B et que tu l'as tué en A, tu sais automatiquement que le mec en A, en B pardon, est faible. Tu le sais qu'il est tout seul. Beau round de la part des CT. Ouh là là, Ziwo il a mis un drive-by. Il se fait tuer, mais RPK a un AWAP. Hein. RPK a un AWAP. Et il fallait les save ça. Fallait le save, ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On va voir ce que ça donne là. 5 à 2, ça commence à être un peu salé, frérot. On a mis le GR, on prend l'anti-écho, on met un round armé. On prend le money fuck derrière. On fait une full écho. Là, il faut mettre ce round. Hein. Là, faut. Je trouve qu'on est réveillé. Hein. Je trouve que là, Vita joue pas mauvais. Hein. Mais Dream Eater joue très bien aussi, quoi.
Dream Eater joue vraiment très bien. Et là, on reprend sur leur agression banane. Ça va, ils délaissent. On a un peu de stuff. On conteste. On est 3B. Hein. NBK Apex. On est 3 côté B. On veut défendre cette banane cette fois. Zivo qui prend un kill. RPK qui se fait surprendre. On est en 1 pour 1. 4 contre 4. Avantage terreau. Hein, faut le savoir. Et là, regardez en action-réaction. Regardez en action-réaction. Tout de suite, on prend le mid. Tout de suite, on prend le mid. On sait qu'on s'est fait push banane. Zivo va être tout seul pour réceptionner 1 contre 4. Il est 1 contre 4, Zivo, là. Voilà, Alex a pas le temps. Il est hors de position. Zivo rate son premier shot. Il en fait un. Il arrive pas à en faire deux. Il est beaucoup trop en difficulté, là. Tout seul sur le BP. Personne peut l'aider. MDK a refermé la banane, mais il a attendu. Oh là là. Apex arrive à faire un kill. Il est 1v2. 1v1 maintenant. Il sait que le last est BP. Allez, Dani, vas-y. Voilà, Apex, mon pote. Le 1v3 d'Apex qui passe. Oh mon dieu, c'était chaud les potes, parce que là, ce round-là, encore une fois, mécaniquement, c'était un round absolument fantastique. Je pourrais le replay, montrer défensivement et au niveau de l'attaque, la réaction, elle était magnifique. Les terreaux se font agresser banane, donc ils savent que potentiellement Vitality est 3 bananes, donc ils savent que le A est faible, donc il y a une prise à part, ils savent que les deux sont à part. D'accord, ils se disent putain, on a tué RPK, mais il y a encore Zivo. Go, go, rush mid, go, rush mid. Donc là, on voit tout le monde rusher mid. Donc dites-vous que là, au niveau de la communication, c'est ultra fluide côté terreau, mais c'est ultra fluide côté CT. Là, il y a une pause, il y a l'euphorie. Parce que là, le round, à mon avis, au niveau de la com, ça a dû partir dans tous les sens. On a vu que c'était allé très vite. Donc, venons, prends la banane, vas-y, bam, bam, bam. Ça déboule en A, vas-y, un part, un B, go, rush B, go, rush B. C'est là, ça a dû partir comme ça sur les deux team speak. Donc là, on pause. On calme, on essaye de revenir au basique. Qu'est-ce qui s'est passé? Machin, les actions-réactions, comment c'était? Là, Zivo, il était en difficulté, il arrive à arracher un kill. Alex a essayé de reprendre en super-héros dans la plaine, il n'a pas réussi. NBK a essayé de reprendre, il a tout de suite en action-réaction, il a push la banane, il était dans le cul au niveau du mid. C'est pas passé pour lui, mais Apex qui fait le 1v3 parce que bah, Dream Eater, c'est les chèvres. Donc merci beaucoup pour ce manque d'expérience, on va pas se mentir. Là, le mec Pete, il doit jamais se montrer. Le mec BP, c'est pareil. Mais bon, on va prendre ce round, hein. On va pas dire merci, on va pas dire non merci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On repart sur de la classique. Ah, il y a des mauvais calls. Qu'est-ce qu'on fait? On va en A, on va en B. Donc là, c'est Zivo qui va B maintenant. On décide de mettre le potentiel sniper en B. Donc c'était propre. C'était vraiment un round très très propre des deux côtés. Je trouve vraiment, je suis surpris. Je suis vraiment surpris du niveau de Dream Eaters là. Sur Inferno, ça joue très très bien. Regardez, regardez, une 30, on a toujours les apparts et on déboule, et on déboule, on traverse. Alex qui punit, qui arrive à en faire un. Ça saute, il donne l'info, RPK qui le soutient. Il est dans la merde, Alex, il est dans la merde. Il arrive à mettre en difficulté. Non, pas le double kill. Voilà, RPK qui fait le taf. 2v2, 1v2. Ils mettent beaucoup trop, ils mettent beaucoup trop de rythme. Ils mettent beaucoup trop de rythme, Dream Eaters. Zivo qui rate encore son shot à la WAP, il en rate 2, il en rate 2. Oh là là là, là on boit de l'eau. Là on va boire de l'eau pendant longtemps. Voilà, tous ceux qui ont parié. Non, je rigole, on s'en fout des paris. Mais là, concrètement, on perd le round, on n'a plus d'argent. On a mis la poche juste avant. Dream Eaters, regardez, à 1-20. À 1-20, même moi je suis surpris. Genre, j'ai le directeur auto à 1-20. Bam, il est à part. Il y a une molo qui part. Le mec, il smoke la molo, il traverse. Ils ont peur de rien. Les mecs sont mid. Il y a de l'action-réaction. Ils se font rentrer dedans à fond. Vitality, c'est incroyable. J'ai l'impression de voir. Le remake du match contre Simon. Simon, ils leur ont roulé dessus sur des deux, très agressif. Et là, c'est pareil, le rapport de duel, là, on n'y est pas. Là, faut jouer classique, 2-1-2, arrêtez de switcher. C'était Bourbier, là, au spawn CT. Zivo qui va B avec Alex. Alex repartait en A. C'est. Là, ça manque de. Ça manquait de fluidité, là, au niveau de la com. Surtout qu'ils ont mis une pause pour calmer les choses. Là, NBK qui arrive à faire un kill. Il est dans la merde maintenant. Il va essayer de faire un kill. Hop, Zivo qui arrive à faire un petit kill aussi. On est 4v3, action-réaction, regardez. Regardez ce qui est en train de se passer. Tout de suite, ça se regroupe en B. Il y a une prise banane qui est en train de se faire. On est 4v3 pour les Vitality. On n'a pas eu les couilles de rester dans l'appart pour récupérer les armes qu'on a fait tomber. Et on va juste call un stack en B. Mais c'est le mauvais call. Regardez le radar. On est en train de se regrouper côté terreau au niveau du A pour reprendre les zones qu'on a perdues. Donc mauvais choix, mauvais pari, c'est pas un mauvais choix, c'est un pari, hein, c'est du pile ou face là. On est en train d'investir là-bas de cul. Je trouve que Dream Eater joue excellemment bien Inferno, c'est incroyable. De toute façon, je l'ai toujours dit, les Français sont plus du cul sur Inferno. Genre, on est bon, mais on n'excelle pas quoi. Et on s'entête à jouer cette map, et je trouve qu'on est vraiment moyen, on se fait surprendre par tout le monde quoi. Et c'est dommage, parce que là, regardez, le round va être repris très facilement. Bon, on a les infos...
4v3, NBK meurt tout seul, Alex là meurt tout seul. C'est vraiment dommage. Le pari était bon, enfin, il y a un choix qui est fait, il est respecté. Zio qui prend un one tap, mais Kinky est beaucoup trop bien placé pour assurer derrière le revenge. Apex arrive, il arrive à prendre la K. Allez, Dani, là tu sais qu'il est graveyard. Ouais, mais le tagging, là vous avez bien vu, il arrive pas à tirer sur le type parce qu'il y a le tagging, il y a l'IM punch parce qu'il a pas de Kevlar. J'ai fait un tuto dessus. Abonnez-vous sur YouTube, c'est important de regarder les tutos comme ça. Quand j'utiliserai du vocabulaire de ce genre, vous comprendrez tout de suite ce qui se passe. Et là, on force. Et là, on force côté Vita. On a un peu d'argent, on va forcer. Non, on décide de faire un petit bail. Non. On décide de faire un petit bail. Ok. On décide de faire un petit bail, de pas acheter justement, faire un petit truc comme ça pour essayer d'avoir après de la WAP, de la mollo et tout. Donc regardez le cycle économique. Hein. On met un round, on se fait money fuck. On met un round, on se fait money fuck. Voilà, et très agressif toujours. Hein. 1,40. La banane est prise, Apex qui arrive à faire un drive-by, c'est bien ça Apex là, il prend un peu ses... C'est ça, Apex c'est qui tout double, mais là pour l'instant il est quand même très très bon Apex, il est quand même très très bon. Vraiment, bah, voilà, il a 12 kills, mais on voit que c'est lui qui leur rentre dedans, qui leur répond, d'agressivité par l'agressivité en fait. Et c'est ça qu'il faut faire là, là il faut que Ziwo, faut lâcher les chevaux là, là faut push, là faut arrêter de se faire... Faut arrêter de rester posé, de jouer académique en fait. Là, Vitality joue beaucoup trop académique, respecte trop les règles de CS. Les règles de CS sont pas universelles. Les Russes ont typiquement eu un ADN. Ils ont un ADN dans CS, les Russes. Ils jouent d'une certaine manière, on le sait. Et pour les contrer, faut vraiment répondre par le rapport poids-puissance, quoi. C'est exactement ça. Là, on a une info, petite boiler, prise mid. La flash qui passe, merci Ziwo. On fait un kill. Y a pas de revenge. On a peur de la vodka côté Sivat. Faut pas mourir. Bien joué ça. Bien joué. Là faut se regrouper en B là. Parce que là on est 2 contre 2. On est 2 contre 2 en B. 2 contre 2. Allez Apex en one tap mon pote. Fais-nous plaisir. C'est bon. Là la défense elle est là. Regardez. La défense est là. RPK est déjà dans le cul. Ziwo ils vont se booster au niveau du spawn. On est en train de leur poser problème. Allez magnifique. On met le petit force là. Là c'était du bon round. Mais regardez. MBK il a repris dans la vodka. Il a fait le kill. Apex il a rushé la banane comme un zouave. Il a les sandbags. Il a fait son kill aussi. Ziwo il a pas lâché le boiler. Il s'est tapé. Les rounds qu'on a. Les rounds références qu'on a mis. C'est ça là. C'est quand on répond par l'agressivité. C'est quand là le rapport de force il est maintenu. Et on arrive à faire la bagarre avec eux. Et j'espère que ce round va les remettre dans les rails. J'espère clairement que ce round va les remettre dans les rails. Car Vitality joue bien, hein, vraiment, honnêtement, Vitality joue bien. C'est vraiment tactiquement la différence entre les deux que ça va pas. Et Dream Eater joue vraiment excellemment bien aussi. Ce genre-là sur Inferno, il joue bien. Regardez encore, 1,30, on n'a pas peur. Même sans mollo, boiler, sans smoke, sans rien, juste au deagle. Regardez-les les Russes, ils ont le mid. Ils ont le mid, ils ont les apparts. Ils ont absolument pas peur d'avancer. Crad, il est au fond de l'appart. Regardez la carte. Tout en bas à droite de la carte. Crad, il est déjà au fond de l'appart. Forester, il est déjà dans le boiler. Là, il sort dans le mid, Forester. Regardez. Hop, ça y est, il est sorti middle. C'est un délire, bon. C'est un délire. 1-15, le mec, il, sans smoke, sans mollo, sans rien. On leur laisse les zones. Regardez Forester. On le laisse aller tenter son one-tap sur le mec dans le pit. Je trouve vraiment qu'on laisse beaucoup trop d'espace. On répond pas assez à part l'agressivité. Voilà, le round d'avant, on était en écho, donc on se dit ouais, vas-y, c'est bon, on tente un peu. J'ai un CZ, je m'en bats les couilles. Là, il y a des AK, tout ça, on n'y arrive pas. Mais bon, tactiquement, on est bien. Hein, parce que les zones sont pas perdues. Il y a un retour banane qui est fait. NBK va être tout seul pour défendre. Donc là, il met une smoke. Ça lui laisse 15 secondes de répit pour que Apex revienne. Regardez, Apex, il est en train de revenir là sur le B. Donc on va être deux défenseurs. Apex il lui reste quoi comme stuff? Une flash. Et NBK il lui reste quoi comme stuff? Une flash. On n'a pas de mollo, on n'a rien, pas d'HE. Et là ça va être 2 contre 5 potentiels. Et on a Ziwo qui a une fast rotation. Alors regardez Ziwo, il est en train de revenir sur le B. On sent bien le jeu là. Là on sent bien le jeu, le retour B est validax. Ziwo qu'est-ce qu'il a comme stuff? Deux flash aussi, donc c'est bon. Il y a moyen qu'on fasse le taf. C'est de l'écho, ça devrait être maintenu. Voilà, la belle flash qui part. Apex, applique-toi, bâtard! Qu'est-ce qu'il nous fait, là, des sprays nuls, comme ça? Mais allô! C'est un délire, il reste 4 secondes, il fait des sprays, gros. Le mec, il regarde même pas son écran, frère. C'est un truc de ouf, il joue avec ses doigts de pied, frère. C'est incroyable. Apex, c'est le seul depuis le début, frère, que je lui mange les couilles. Mais là, frère, il joue avec ses doigts d'orteil. C'est incroyable. Regardez le spray qu'il vient de faire, gros. Mec, son écho, pas de Kevlar, il a pas fait un kill.
Bon, pause. Pause côté terreau. Faut se remettre dedans. C'est incroyable. C'est incroyable de faire des sprays comme ça. C'est incroyable. Faut s'appliquer, faut s'appliquer. Faut vraiment s'appliquer. Après, je comprends. Major, panique, je sais pas. Peut-être que j'aurais fait pire, tu vois. Mais là, c'est. On s'applique, on s'applique. Faut regarder son écran au bout d'un moment. Genre vraiment. Type, il est en train d'envoyer des nudes. C'est un truc de dingue. Oh, vraiment, il joue avec ses doigts d'orteil, frère. C'est incroyable. Incroyable. Donc là, pause. On réfléchit côté Dream Eaters à comment. Qu'est-ce qu'il faut tactiquement pour remettre des rounds? Eux, ce qui a marché, c'est de déposer son cerveau, de tirer un gros penalty dedans et de faire de la merde. Non, je rigole. Bah, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait grouper, donc c'était pas mal. RPK, voilà. Tout de suite, il se fait mollo, il arrête. On veut contester la banane. Kinky tout seul. On la lâche pas, la banane. Hein. Ziwoo, il la lâche pas. Hein. Voilà, Apex est contre le muret. On est bien. Les apparts, 1,30, les apparts sont pris. Hein. C'est. Côté Dream Eaters, c'est incroyable. Hein. À 1,25 là, l'appart il est pris. Toutes les décalages sont faites. On sait que les mecs sont dans le pit. Là, on a une triple. On a une triple. Une défense à triple short. D'accord? On délaisse la vodka. C'est un type de défense où justement on est très groupé bah, sur la short. Pour condenser potentiellement. Un push au niveau de l'appart, etc. Comme ils faisaient depuis tout à l'heure. Et là, regardez, le choix défensif est pas mal. Parce que regardez, là, ils push sur la short. Ils ont fait leur round de référence sur la short. Alex et RPK sont toujours là. NBK avait fait un kill dans le mid, c'était pas mal. Il aurait pu se replacer, je pense. Là, il donne l'info qu'il est votre cul. Apex fait le kill. C'est bon, la gangbang arrive. Aïe aïe aïe, bien joué. Ça, RPK fait le kill. Et Alex, oh, on est bien. On est bien. Là, c'est condensé. Il y a du fight, il y a du clutch, il y a de la panique, il y a des échanges de kills. Parce que quand tu joues très groupé comme ça, qu'il y a des échanges de kills, c'est normal que ça continue de faire revenge sur revenge dans les deux camps. Mais c'est condensé, c'est propre. Donc là, le choix, par exemple, de défense en triple short. Bon, faut pas faire ça tous les jours, tu vois, parce que tu sais que la longue, bah, elle est faible. Tu sais que la banane, elle est faible, parce que si les mecs ils déboulent à 5 bananes, les rotations seront très longues pour aller à des bananes. Donc là, le choix de défense de Vitality, il est vraiment fait typiquement parce qu'ils se sont adaptés à ces Mongols. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont rusher à part. On les connaît, tu vois. Donc voilà. Hop, 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 hop. La triple HE, ça rush banane. On coco. On commence à lâcher tout le stuff. Les doubles HE qui a fait très très mal. Les flashs qui font très mal. On est là côté Apex et Alex pour faire le taf. Voilà, Dany, fais-nous des sprays comme ça, gros. Applique-toi, mon pote. T'es capable, gros. On le sait que t'es capable, Dan. Enfin, on le sait, gros. On le sait, on le sait. Mais il nous fait plus des trucs comme ça avec des sprays avec ton pied, là. Ouais, et là on a Zivat qui était là. Donc là on a voulu faire un rush B de merde. Donc vous voyez, Dream Eater, c'est pas sophistiqué, c'est pas élaboré, c'est pas des grands QI de CS, c'est pas du CS où les mecs s'infiltrent partout, où ça attend les timings, où ça communique avec ses potes de ouf et tout. Non, il y a un call, on y va et on nique des merdes. Mais ils sont très 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 groupés, ils sont très 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 skillés. Leur synchronisation de stuff est très bonne, ils préparent ça bien, bien comme il faut. Et derrière. Ils font le taf, ils ont mis 7 rounds, ils ont surpris un petit peu au début. La Vitality, défensivement, ça fait 2-3 rounds qui sont en place. On sent qu'ils sont en place défensivement et qu'ils répondent présent. Donc ça se passe beaucoup mieux. On aura peut-être des regrets à la fin. On aura peut-être des regrets à la fin de ne pas s'être réveillé beaucoup plus tôt, les amis. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on a pris une grosse écho exec. On a pris un rush à part pourri ici, avec après la pause, on voyait Ziwoo, Alex aller spawn CT, puis revenir au niveau du A et tout. On était bah, dans le... Ça se voit qu'on était dans la merde. Et là, hop, on reprend la banane, bat les couilles. Zivat qui fait le kill sur Ziwoo. Ouais, Ziwoo, c'est plus le même qu'avant. Hein. Il a 17 kills, mais je trouve que il est mort beaucoup de fois. Il a raté des choses, quoi. Il a raté et il meurt. On est 4v5. Les 5 sont bananes. Et ça va partir sur l'exec en B. Par contre, là, le frérot NBK, il est tout seul. Là, il est tout seul. C'est Apex. Ok, c'est Apex. Allez. Non, non, non. Allez, fais-en un. Fais-en deux. Fais-en trois. Fais-en trois. Non! Bien joué. Bien tenté. Bien tenté. Il en met un l'OHP. 3v3. Avec un mec l'OHP. La HE qui fait un peu de dégâts. On n'est pas trop mal. Un mec l'OHP. Un mec mid HP. On met la smoke retake. On met la smoke retake qui va bloquer la banane. On a encore une mollo côté Alex. On a une mollo côté RPK. La retake devrait être propre. Par contre, on a un peu de stuff côté terreau pour faire chier avec une smoke, une mollo. Donc voilà. Non, 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 les mollo, vos stuff, ils sont où?
Qu'est-ce qu'il fait, NBK, à reprendre tout seul? Voilà, on met une molo C3. On met une molo C4. On déboule. Les deux sont dans la ruine. Et ça passe pas. Et ça passera pas. Et ça passera pas. C'était un énorme side de la part de Dream Eater. On peut voir, hein, regardez, hein, ça rate pas. Hein. Mec, ça met des headshots. RPK, il est passé. Alex, il est passé. One tap pour les deux. Hein. Pareil pour NBK. Le mec avait le crosshair. Ça répond présent. Donc, je trouve quand même que là, c'était un beau match. C'est un beau match pour l'instant. C'est un beau side qu'on voit. De la part des Terreaux comme de la part des CT. Je trouve que défensivement, Vitality, c'est propre. Ça fait... Ça répond pas, quoi. Je trouve que c'est juste que ça répond pas. Je sais pas. C'est sûr qu'ils préparent le match. Ils ont un analyste, ils ont un coach. Les mecs, ils sont payés 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. On va pas dévoiler les salaires. Donc, je pense que quand t'es payé 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, tu prépares le match. Donc, c'est sûr. Donc, tu connais le style de jeu. Donc, ça m'étonne qu'on continue d'être surpris autant par des mecs que tu connais. En ADN, c'est leur ADN en fait. C'est même pas ouais mais potentiellement ils peuvent changer. C'est un major, ils s'adaptent et tout. Je suis d'accord là dessus. Mais c'est des Russes. C'est dans leur ADN gros, c'est un truc de dingue. C'est dans leur ADN, il y a une molo, il y a une smoke, il y a... Vous êtes déjà allé au bowling? Bah c'est pareil frère. Qui de bowling, pas qui de bowling, bah les couilles frère. Ils sont là, ils tracent tout droit gros. Et là je comprends pas. Zio meurt en A. La rotation est trop longue, Apex, il est tout seul. Vous vous imaginez qu'Apex, là, il a réussi à faire 2 kills et demi et qu'il a toujours pas de backup? Il a toujours pas de backup. Après, peut-être que le plan de jeu, il était dans... ouais, peut-être qu'ils vont exec en A, ils vont exec en A, ils vont faire leur CPL, c'est leur round référence, c'est leur truc qu'ils aiment bien faire. Mais là, il y a un kill en B. Il y a même pas un mec spawn CT pour mettre des flashs à Apex, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ah oui, bah oui. Deviens leur analyste, Malek. Ah gros, moi je suis analyste. Moi je serais analyste au fouet, frère. Au fouet, tu vois ce que je veux dire? Apex, c'est quoi ce spray de bâtard, enculé? Un truc comme ça, gros. Avec de l'amour, tu vois. Pour pousser vers le haut, tu vois. C'est, tu vois, la bagarre pour pousser vers le haut. Tu vois. Moi je suis comme ça. Parce que c'est les exemples que j'ai eu, tu vois. Je peux pas reproduire un exemple que je n'ai pas eu, tu vois. Je peux pas dire, tu sais, Dan, là ton spray était pas cool. Je pense que là tes doigts d'orteil, c'était pas cool, frère. Tu aurais pu prendre ta souris avec ta main et tout. Tu vois, je peux pas, moi, faire ça. Moi, c'est espèce de bâtard. C'est sûr. Ok, bon. On repart. Passons aux choses sérieuses. Le pistol. RPK n'a rien acheté. Ok, donc il a rien acheté. Il a 800$. RPK, peut-être qu'il économise pour un cycle monnaie à WAP ou un truc comme ça. Je sais pas. Et là, on déboule. On déboule. Oh là là là. Oh là là là. Oh là, quelle catastrophada. Je vais perdre 100€. On déboule et les headshots sont mis. Hein. Les headshots sont mis. Hein. Ça n'a pas peur. Hein. Les Russes, allez, 1v8 de NBK. Il en fait déjà 2. Là, il va se faire aider. Hein. Là, il le sait qu'il se fait aider. Voilà, il sait qu'il est low HP. Il est en 1v2 désormais. Là, les deux ont... Là, les CT ont peur. Là, les CT ont peur. Ouf, ouais, ils ont peur de rien en fait. Le lapeur, ils connaissent pas en fait. Ils sont Russes. J'avais oublié ça. Vous oubliez frère. Donc peut-être qu'il économise RPK pour une économie, je sais pas. Bah écoutez, Vitality a voulu rentrer dedans, clairement. Là il y a une pause des CT. Peut-être que c'est... Non, c'est une pause tactique. Donc peut-être pour se calmer, pour voir ce qui va bien, ce qui va pas bien, se motiver. C'est chaud. Très très chaud les potes. Très très chaud. Très 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 chaud. N'oubliez pas les potes, hein, dans la description là, de Twitch et tout, il y a mon Instagram et tout ça. Venez follow, on va envoyer du pronostic. Bien évidemment, il faut faire tout l'inverse. Parce que là, j'ai mis moi personnellement, j'ai mis 100€ sur Vitality. Donc, bah merci une pute. Mais ça c'est pas grave. Au moins, on a kiffé le match. Tu sens que je kiffe le match? Je le sens ou pas? Je sens qu'à tout moment, je peux aller à Berlin, cagouler avec un T-Max. Et une équipe e-sport portée disparue, je demande des rançons à Vitality comme jamais, gros. Tu sens que potentiellement, on peut faire ça? Est-ce que tu le sens? Donc là, côté terreau, on décide de force. Là, double HE qui fait très mal à Zio. Apex qui brûle dans la molo. Aïe, aïe, aïe. Ok, Zivat qui détruit RPK dans la smoke. Aïe aïe aïe.
On est 5 contre 2. Le Force ne passe pas côté Vitality. Ça veut dire qu'il va y avoir 17. On sera en écho. 11-7 potentiellement. Ah gros, là, là c'est compliqué là. Alex NBK, 5 contre 2. On a la bombe à terre côté CT. Oh là, on est à Miami. On sirote des cocktails avec des meufs à poil côté Dream Eaters. Ah vraiment, je vous le dis. On tente quand même de gagner un peu de duel. Voilà, la gestion du stuff elle est parfaite. On deny de ouf. Ça fait déjà une minute que les mecs ils sont derrière les smokes, derrière les molos. Mauvais côté, le mec est à gauche. Ouh, le spray control d'Alex. Moins 3. Ouh, il n'y a personne en B. Il n'y a personne en B. On va avoir la plante. On va avoir au moins le plantage de bombe. Bah, il va reprendre, il va reprendre. Il va reprendre comme un, il va reprendre comme un gogol. Bah oui. Bah, oui. Parce que la Russie... C'est la Russie. Bon, après, il a raison. Là, il reste pas beaucoup de temps. Faut lui empêcher de planter la bombe pour avoir de l'argent. Donc ça, c'était logique. Mais tu sais que dans ces gènes de Russes, même s'il restait 30 minutes, il l'aurait fait, frère. Il l'aurait fait. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Donc, on part sur une belle petite écho de Vitality. Le match n'est pas fini, les potes. Hein. 17. À tout moment, les Dream Eaters, ils choquent. Mais là, je sens quand même qu'ils jouent leur jeu... Ils sont agressifs, ils ont pas peur, hein, donc... Et dans le chat, vous me faites rire, hein, je vous le dis. Laissez-moi commenter ça tranquillement, là. Je vais taper des barres. Vous me trollez, là. Je... Tout le monde met moins 100 euros, moins 100 euros, bande de bâtards. On est à part, à 3, ça va partir sur une petite exec sur la flash quoi. Ouais, on va juste débouler sur la flash d'Alex et prier tous les dieux qui existent de faire des kills. Voilà, sauf qu'on est ensemble côté CT. Les crossfires sont mis en place. Et c'est un carnage. Donc, voyons voir ce qui se passe maintenant. On est armé, on a de l'argent, 5K, 5K, 6. Ouais, on aura full stuff. AWAP côté Alex. Ah oui, oh, Zibo là, il est plus dans le match. Ou peut-être parce qu'Alex a un spawn et après ils vont switcher. Peut-être que je suis mauvaise langue. Allez, on y croit. Dites adieu à vos thunes. Ah, mais nous on parie pour le plaisir là, c'est fini. Je parie plus pour me faire de l'argent. Alex, après la ligne en B, RPK prend une grosse HE. Oh là 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 là. Ils rushent leur smoke, ils en ont rien à foutre. Hein. Pouh, ils veulent la banane, ils y vont les Russes. On peut voir que bon, l'exécution est bonne. Hein. Les mecs étaient blancs, les mecs étaient mis en difficulté. Alex, derrière la smoke, il est obligé de lâcher, de laisser RPK dans la merde. Derrière, action, réaction, on prend le mid. Mais regardez le temps. Regardez. C'est la différence entre Dream Eaters et Vitality. Tout à l'heure, Dream Eaters, quand ils se faisaient attaquer banane, ils étaient au couteau dans le mid. Là, nous, on est là, on chill. Petit café, petit croissant pain au chocolat. Ouais, parce que ceux qui disent chocolatine, vos darons, on va les retrouver, vous inquiétez, hop. Donc là, petit pain au chocolat, croissant, petit Nesquik. Voilà. C'est ça, en fait. Et on perd tous les timings. Donc là, c'était petit appel pour prise mid, et là, on retourne banane. Donc là, il faut y aller maintenant, banane. Zivo, il est déjà au spawn, il est au spawn terro, Zivo, pour flasher les potes. Et là, il faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant, là. Maintenant. Maintenant. T'es pas blanc. T'es pas blanc. T'es pas blanc, Alex. T'es pas blanc. On est toujours 4. Là, on reprend les infos. Ça va coller la rotation. Hop. Et allez, on va aller au spawn. Et voilà. Et hop, on va B. Et là, on va rater le timing. Si on déboule pas maintenant, on rate le timing du 4v1. On rate le timing du 4v1 si on n'y va pas maintenant. Regardez, Kinky, il est déjà dans la ruine quasiment. Hop, il va rusher dans la smoke. Ouh, petit kill dans la smoke de la part d'Apex. Oui, double kill. Faites-moi rêver. Oh, bah oui, Gogol dans les smokes. C'était obligé, ça. Et on se re-reboost. Voilà. Apex, c'est pas naïf. C'est bien, ça. Apex, il va nous sauver cette game. Hein, je vous le dis. Apex, il va me donner mes 100 euros. Hmm. 3v2, on n'a pas de stuff côté terreau, pas de stuff côté CT, la petite flash qui met pas bien, Alex qui fait le kill, Forester est dans la merde, superbe rune, superbe rune, superbe exec.
J'étais un peu effrayé, j'étais un peu tendu du string au niveau des timings parce que je trouve qu'on est trop lent, on rate un peu nos timings. Là, il y avait une petite fenêtre qui s'était créée au niveau du B, on a pu en profiter. Mais s'ils font ça 3 secondes avant ou qu'il y a des gogols qui rushent dans la smoke, il y a moyen que tout se fracasse en fait. Il y a moyen que tout se fracasse. Et là, on est dans le money time, il y a. Tous les rounds sont importants. Là, il va y avoir 11-8. Voilà, l'économie des CT leur permettent de racheter parce que là, ils ont économisé 5 armes. Là, ils en ont save une en plus. Les terreaux, eux, on est qu'au 3. Ouais, donc là, c'est le money time. Tous les rounds, ça va être des clutches. Tous les rounds peuvent emmener une équipe en écho et tout. Et Vitality a beaucoup de chemin à parcourir avant de les envoyer en écho et de se mettre une marge de rounds et d'économie de confort. Donc, ça va. On va voir ce que ça va donner. Merci pour la donation, Théorise, mon pote. Il n'y a pas la notification, mais je t'aime d'amour. Monsieur, morale de l'histoire, ne jamais parier sur Vita. Ah frère, c'est fini, je parie plus sur eux. Ouh, voilà, Zivat qui fait le kill. Apex qui est là, hein. Apex qui est là. Voilà. Tout le stuff est crashé par Crad. Kinky qui tout de suite... Voilà, Kinky qui tout de suite rotate au niveau du B. Et NBK qui fait le kill. On est bien. Là, il y a trop d'agressivité. Vous voyez côté CT? Côté CT, il y a le frérot Speedka là qui se fait punir. On est bien là parce que là on a créé des rotations. Ça crée beaucoup de rotations. Regardez la map, elle est split en deux. On est deux côté B. Mais regardez banane les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Regardez qu'est-ce qu'ils font les Russes. Ils rush la banane. Ils rush la banane. C'est un grand délire. Regardez-les. Donc là, Forester il va être tout seul pendant 3 secondes. Là c'est maintenant qu'il faut exec. Sinon, Crad là dans 3 secondes il est dans le dos. Il va faire carnage. Dans 3 secondes il fait carnage. Hein? Voilà. Oh, ça va, il rate. Il rate parce que c'est un gros nul. On accède, on a l'info du dernier. C'est bon, on est 2v1, on a l'info du dernier. Vous vous imaginez à quoi ça joue? Est-ce que vous imaginez les poils de couilles qui nous restent? Genre, il nous reste 3 poils de couilles. Genre, vraiment, c'est incroyable. Regardez encore, il a rushé la smoke, la mollo. Là, il a déchiré du cul au niveau de la short à NBK. Il a un HP. Et il s'en bat les couilles, hein. Il va à part, il veut faire des dégâts. Hein. Je vous le dis, là les CT, c'est des inconscients. Je sais pas si c'est des inconscients. J'aimerais être dans la peau d'un russe. Je vous jure, j'aurais aimé être élevé par des russes et réfléchir comme eux. Genre, je sais pas avoir peur du feu, pas avoir peur des smokes, pas avoir peur de. Je sais pas, gros, ils sont inconscients. J'ai l'impression, c'est un délire. Là, à un poil de cul, le round, il est. C'est catastrophe. Le mec, il arrive dans le cul. S'il rate pas, c'est fini. C'est fini. Et là, NBK, il va mourir et tout, non? Bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? On perd 4 armes en plus, c'est un délire. Oh là, c'est chaud. On annule ce contract, frérot, c'est un délire, c'est un délire. On est sur des poils de kékette de timing. Genre vraiment, là, les CT jouent excellemment bien. Genre, on peut voir quand même qu'ils ont quand même une maîtrise de la map. Ils ont peur de rien. Ils reprennent les zones. Nous on est ultra naïf, on met pas de leur cœur. Vous voyez là par exemple, Happy, jamais il aurait lâché la banane. Il serait en pupute au niveau du bois, les mecs ils auraient rushé B, ils auraient pris coup de coude. Genre c'est là, c'est ça à quoi ça sert un leur cœur. Un leur cœur des fois, il sert pas à lurker, il sert à défendre les agressions. Et là clairement, ça manque de lurk chez Vitality. Il y a eu deux plans de jeu où c'est chaud. Où c'est très très chaud. Donc là... On repart sur un round bye, on force côté Dream Eaters, on a une AWAP, on a un Deagle, on a un peu de stuff. Faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure, Inferno, c'est pas parce que là on voit ça comme armement qu'on se dit ouais c'est gagné. Inferno, il y a de la smoke, il y a de la mollo, tu mets en difficulté les mecs, vraiment. Et regardez Kinky, il a peur de rien. Donc Kinky, hop, Speedka, il a pris grosse mollo, on est à 3 côté B. On veut aller sur le B. On veut aller sur le B. Là, on veut aller sur le B. On sait qu'il y avait la WAP, mais on se dit on a un call et on va B. Donc là, j'aimerais juste qu'ils exec B. Il n'y a personne en B. Mais qu'est-ce qu'ils font? On sait pas, c'est pas mal parce qu'ils font un pari. Ils font un pari. Là, faut juste débouler en B. Là, faut juste débouler en B. Là, regardez la carte. Il n'y a rien. C'est une petite chatte toute vierge qui demande juste à être baisée. Et là, quand t'as ça, gros, faut y aller. Gros. Même si tu vas en enfer après, bah faut y aller parce que ça fait du bien. Donc là, faut prendre le B. Alors, on te donne le B, tu prends. Et voilà, là, Crad, il est revenu. Crad, il est revenu, ils entendent un petit... ouais, c'est bon, ils vont faire l'exec. Là, ils sont tous là. Ça se prépare pour les smokes et les molos. Superbe round de la part de Vitality, bon choix. Oui. Oui, messieurs, dames. Et là, on déboule et il n'y a personne.
Voilà, il n'y a personne, comme on aime. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Crad, il fait un petit kill dans la smoke, c'est pas grave. Et on kiffe. Let's go. Moi, j'ai jamais touché de meuf de ma vie, hein, je vous le dis. Quelqu'un m'a raconté ça, genre. Personnellement, je me préserve pour le mariage. Donc ne me prenez pas pour ce genre de monsieur. Moi, non. Non. Donc Rad fait un petit kill, mais c'est pas grave. On part sur une petite exit, tranquille. Partie remise, on retentera le round d'après. On aura même plus de stuff côté Dream Eater. On revient à 11-10 côté Vitality. On va éco 4 armes. Ça va leur permettre de créer une économie. Parce que là, regardez, on n'a pas d'argent. Parce que là, 4 armes de tomber, tout le temps bombes explosées et tout. Donc là, ils vont vraiment se faire de l'argent. Et le vrai round, c'est le prochain, le 11-11. Donc là, c'est le gros money time. Ah ouais, je vous jure, les gars, moi, j'ai jamais touché de meuf de ma life. C'est un pote à moi, il m'a raconté. Il m'a dit, frère, tu sais, un jour, un grand sage, il m'a dit, s'il y a des meufs vierges et tout, bam, profite. Yeah, mais tu vas en enfer. Il m'a dit, t'inquiète, gros. Une meuf pour un peu de feu, il me dit, t'inquiète. Je lui dis, ah, moi, je suis pas d'accord. Donc moi, je vous transmets juste son savoir. Ok, qu'est-ce qui se passe? Full armée. Non, ils ont pas tenté le diable, les Dream Eaters. Ils restent dans leur achat comme ça. Ils vont faire un run boost. Voilà, pour le pré Speedka. Sauf qu'il a aucun contact. On n'a pas d'AWAP côté Vitality. Petit rush banane. Oh là là là. Heureusement qu'il y a le revenge. Heureusement qu'il y a le revenge. Là, il fait moins 2 là. Au Deagle, je pleure. Je vous le dis, je pleure. Exactement, c'était Brahms. Je voulais pas dévoiler son nom, mais c'était Brahms qui m'a dit ça. 4 contre 4, avantage terreau, faut le savoir, parce que ça crée des trous dans la map. Et là, on peut voir par exemple qu'on repart sur une exec en B. Bon, on critique les Russes, mais regardez Vitality en termes de sophistication du jeu, c'est pas très élaboré non plus. Hein. On fait que de l'exec depuis tout à l'heure. Voilà, et là, Zivat est tout seul. Allez, on y va, on met des petites flashs, il nous faut une petite flash, ça y est, on a le contact, Zivat est tout seul, il va brûler, merci, au revoir. Le B est pris, RPK qui passe devant, RPK qui fait un gros round avec double entry, hein. Il revenge Apex, et là il fait l'entry sur le B, et on repart sur un save côté Dream Eaters. Et c'est le bon choix, hein, parce que regardez, ils ont un AWAP, ils ont des Kevlar, ils ont encore des petites flashs, et ils ont 3K et tout, donc ils vont se mettre bien. Parce que là, ils gagnent 1, 2... Là, vous gagnez 2K9. Donc ils seront tous à 6K. Ils seront tous à 6K carrément. Donc là, le prochain round, ça va être la bagarre de chez la bagarre. Point d'exclamation, c'est bête, les potes. Tous ceux qui veulent parier, tous ceux qui parient dans le game. Moi, j'ai mis 100€ sur Vitality. Je reprends un peu d'espoir. Donc on y croit. Yes! Code parrain, Malek CSGO, tout attaché. Par contre, sur Fortnite, le code, ce créateur sur Fortnite, c'est Malek tiré du bas CSGO. Voilà. Merci beaucoup. On vous aime. Tu penses qu'ils veulent pas dévoiler leur strat? Mais t'es un ouf ou quoi, toi? Il y a 1-1, c'est le Major, gros. C'est la Chouma, tu perds contre eux. Mais ils donnent tout, frère. Ils donnent tout. La Apex, ils serrent les fesses comme jamais tous les rounds. T'es malade ou quoi, dévoiler leur strat? T'es créé en 2012, c'était avant, ça. Maintenant, toutes les équipes, elles sont tellement professionnalisées, elles s'entraînent tellement en termes de skill, en termes d'impact, de firepower. T'as vu les machines que c'est, Dream Eaters? On va pas se mentir, ça répond présent. Combien la cote? Elle était à 1,25. Bon, je me suis dit, ouais, ça va passer. Ma bite. Point d'exclamation, c'est bête, c'est bête. Pas bête, c'est bête. Donc là, agression banane, un gros round by, et ils ont encore de l'argent pour le prochain round. Regardez, 4K, 4K, 2K6, donc même s'ils perdent ce round là, ils réachètent derrière, Dream Eaters. Donc là, on est en action-réaction, on s'est fait pique la banane, côté terreau, voilà, on prend le mid. Non, mettez des flashs, mettez les flashs, allô. Voilà, c'est bon, les revenge sont faits. On sait que le mec short, Kinky a rush le B, Apex s'est fait, voilà, le lurk s'est fait torcher. Voilà. Trad est tout seul sur le BP, mais on est en 3v1 sur le BP pendant 5 secondes. Regardez, il y a Sivat et Kinky qui sont déjà dans le bail. Donc là, voilà, c'est bon. On est bien, le round est pris. Belle réaction de la part de Vitality qui fait encore une exec en 1, tout simplement, en réaction. On s'est fait attaquer banane, on sait que potentiellement ils sont 2 voire 3. On est 5 contre 3, 5 contre 2 potentiellement sur du A et on déboule.
Et on déboule. Là, c'est une bataille de puissance. C'est tout. Voilà. Et concrètement, Dream Eater, ça fait 3 fois qu'ils vont save. C'est peut-être, je dis bien, c'est peut-être significatif qu'ils sont en train de perdre un peu leur couille. D'accord? Parce que là, ils commencent à avoir peur. Ils perdent pas les clutches. Enfin, ils jouent pas les clutches. Là, bon, ils ont un AWAP. 2v3, c'est compliqué à retake et tout. Donc, c'est normal qu'ils ne le jouent pas. Mais RPK, t'as 30 HP, gros. Tu meurs, là. Ah non, tu l'as planté loin, là. Bon. Il l'a planté au fond du BP. Donc, normalement, il meurt pas. Il joue comme les Russes. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit au début. De toute façon, quand tu joues comme ça, c'est un rapport de force. Il faut gagner ce rapport de force là. Par contre, banane, le mec, le crade et tout ça là, il fait un peu trop le ouf. Tu vois, là, Apex, il s'est fait rusher la banane. On l'a pas vu, mais il s'est fait rusher la banane. Ça veut dire que le mec banane, il est quand même assez confiant pour faire ce genre de truc et tout. Petite pause des CT. Là, tactiquement, ils n'y arrivent plus à rien. Parce que concrètement, regardez. Hein, 1, 2, 3, 4, 5 rounds d'affilée côté Vitality. Mais n'oubliez pas, il y a eu 2-3 rounds à un poil de couille, c'est passé. À un gros poil de couille de timing. Avec les CT qui étaient dans leur cul. Donc ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Psychologiquement, là, c'est en train d'être renversé en termes de confiance. Là, on a beaucoup d'argent côté Vitality. Donc on peut se permettre de perdre un round et derrière de mettre en difficulté les CT. Il faut savoir que l'économie des CT est beaucoup plus difficile que celle des terreaux. Là, c'est en train d'être inversé. Il faut mettre ce round, ou potentiellement perdre ce round et mettre celui d'après pour vraiment les détruire un peu mentalement. Parce que là, ils sont trop à les save, ils sont trop à les save d'armes, les CT, et ils ont encore un peu d'argent, tu vois. Et il faut vraiment les détruire un peu là. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est un beau round, comme on aime, ou peut-être on perd, c'est peut-être même mieux qu'on perde un round et qu'on gagne derrière, tu vois, pour vraiment les baiser économiquement. Voilà, prise banane, côté CT, toujours peur de rien, le crade et le Zivat là. Voilà, hop, on met la flash, on met deux flashs. Voilà, et on déboule sur Apex qui est tout seul. RPK qui fait le kill. On sait que le mec derrière, il est au niveau du sandbag. On a peur, hein, on a peur, on a grave peur. Les molos partent. Ok, la molo est ratée, la molo est ratée, la molo est ratée. Zivat qui fait 8 kills, bordel! On est 2v3, on se doute peut-être qu'il y a une rotation B. Mais là, on s'est chié dessus. Vous voyez là par exemple, Zivat, il était serein, il a jamais paniqué. Il est au fond, personne va le chercher, les molos sont ratés, il n'y a pas de flash. C'est dommage. Là, c'est vraiment dommage que le Zivat il fasse 3 kills. Il fait le kill sur Apex. Derrière, c'est le double kill qui me pose problème. Qu'il fasse le kill sur Apex, ça me gêne pas, il est revenge. Enfin, son pote se fait tuer. Lui, il est en difficulté, on connaît son info. Et derrière, il arrive à prendre 2 kills parce qu'on a peur, on décale pas ensemble. C'est dommage. Là, on est 2B, regardez. Hein. On réagresse le B. Regardez Forrester et Spidak. Ils sont en train de réagresser le B. Allez, NBK, garde la ligne, garde la ligne, garde la ligne, frère. Garde la ligne! Voilà, hop. Il a les deux infos, il les a touchés. Ziwo, allez, fais-le, mon pote. 20 secondes, 20 secondes. Mais il est trop bien placé, Kinky, là. Il est trop, trop bien placé. C'est impossible que Ziwo le check. Impossible. Voilà, on a fait perdre. Regardez. On va voir l'argent. Nous, on a. Donc là, on achète. Là, il faut surtout regarder l'économie. Banane, ça fait beaucoup trop de fois qu'on perd la bataille, quand même. Je veux pas mentir, on met les runes, mais la bataille du B, à part quand on a exec, quand il y avait personne, mais en réalité, quand ils ont du répondant, banane, je trouve qu'on est plus dans la défaite que dans la victoire. Au niveau des échanges de zones et tout ça. Allez, on décale. Spidak n'a peur de rien. En plein milieu du mid. Prise de la banane. Côté Zivak et Spidak. Zivat, Spidak. Double HE qui est fonctionnel. On arrive à faire le kill. Revenge, pas de revenge. Non, toujours pas de revenge. Il y a Alex, il y a RPK qui arrive à suivre. Et derrière, personne ne revenge le crad. Voilà, et on est en infériorité numérique. 3v4. Crad est toujours full HP. Il se positionne tranquillement. Lui, on est en... On n'a même pas pris le mid. Là, on est 3v2 potentiellement sur le A. C'est la zone la plus ouverte. Donc c'est logique là d'aller sur le A par exemple que sur le B. Les crossfire sont vraiment difficiles sur le B. Donc là, on va juste faire une exec toute simple. La Kinky, il a cramé son info. Voilà, le kill est fait. On est 2v3.
Spidak, il est tout seul au niveau du BP. Là c'est maintenant qu'il faut attaquer là. On est 2v1 là potentiellement. Il a une smoke. Oh là là là. La smoke il le met bien. La smoke il le met bien. Y'a rien Zibou là. Tu shit frère, fais pas genre. Voilà. Il se re-smoke et tout. Il joue trop bien. Voilà. Et derrière il est renfermé. Même moi j'avais oublié que Crad avait rushé le B. Donc vous vous rendez compte là, ça fait déjà deux. Là c'est en train de s'inverser mais. Dans le mauvais sens. Parce que là, regardez l'argent. Regardez l'argent. Là il y a 13-12. C'est-à-dire que même si Vitality met ce round, parce qu'on, quand même on a gagné pas mal de rounds, donc on peut se permettre de perdre 2 rounds, là on va quand même acheter. Regardez l'argent des CT. Hein. Parce que là on a Echo 2 armes, enfin 2 armes, là on a Echo 3. Là potentiellement si on met ce round, il y a 13-13, ils ont un rachat derrière, nous on n'aura pas d'argent, on n'aura plus le droit à l'erreur quoi. Là le Vitality n'a plus le droit à l'erreur quoi. Là on n'a plus le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a une poste tactique, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi le problème. La banane, les gars, on revenge pas. Là, clairement, hein, l'exécution banane est mauvaise. La synchronisation de l'exécution est vraiment mauvaise sur la banane. Et Dream Eater joue très bien. Je rappelle que leur side terreau était bon. Leur side c'était un peu moins bon que la qualité de leur side terreau. Mais je trouve quand même que ça joue plutôt bien. Très agressif, c'est dans leur ADN. Mais si l'analyste avait fait un peu son taf, ce dont je ne doute pas, voilà. La banane est prise. Crad perd un peu de la vie dans sa propre mollo. Il décide de délaisser la banane. Non. Voilà, là je suis raté. Et là il faut y aller maintenant là. Bon, ils vont faire un appel en A. Ouais, ils vont faire un appel en A pour aller B je pense. Ah non, c'est carrément une exéca. C'est carrément, ils sortent leur meilleur strat là, direct là. Y'a plus de secret, on y va et on déboule. Et ouais, sauf que là, Kinky fait le bon move. Il met une flash pour mettre en difficulté. Apex qui a déjà pris le BP. Heureusement qu'Apex il a fait le singe, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, la petite coupe d'Alex qui nous met bien un BJ ça, Alex. Oh là là, le round. Oh, et Apex encore qui fait le taf. Oh là là, je vous aime, les amis. Je vous aime d'amour. Baise-moi le cul vite. Allez hop, mets 100 euros là. Rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Ce round était super important, les amis. Là, il y a de l'argent côté CT. Donc, c'est ce que je vous avais dit. On est qu'aux 4 armes. Donc, ça nous permet de respirer un peu. Mais si on perd le round d'après, voilà quoi. Ça va faire 14-13. C'est compliqué. Là, c'est le money time. Hein. Tous les rounds, là, c'est tendu du string. Je vous le dis. Hein. Moi, j'essaie d'être calme, d'essayer de réfléchir à fond. Mais je peux vous garantir que là, c'est ultra chaud, ultra tendu. Tout le monde doit transpirer sur son PC. Ah, et on peut dire merci à Apex, hein. Il a 22 kills et je peux vous garantir qu'il fait des moves en CT, on aurait pris l'eau depuis très longtemps. Voilà, Ziva toujours dans les smokes, il s'en bat les couilles, dans les molos, il perd de la vie. Et il va y aller, hein. Il va y aller. Hein. Voilà, hop, là, Choc qui lui fait beaucoup de mal. Voilà, hop, Spida qui prend un petit poc. C'est bien là, parce que la bataille des dégâts est déjà remportée. On a réussi à prendre l'appart, on a réussi à prendre la banane. Même si on le sait pas, on a réussi à prendre la banane. Regardez, Crad et Zivat, ils ont déjà bougé au niveau du BPB, parce qu'ils ont perdu un peu de vie et tout. Kinky, je sais pas s'il va être cramé. Ah, c'est bon, il lâche sa zone. Ok, qu'est-ce que va nous faire Vitality là? Peut-être, vu qu'elle est passée la strat, peut-être la fake. Moi, c'est ce que j'aurais bien aimé là. Une belle fake. Là, on va à 3B. Je sais pas pourquoi ils vont à 3B. Donc là, l'exécant. Ah là, maintenant. Là, on a un timing, faut en profiter maintenant. On le sait pas, hein. Faut bien comprendre qu'on le sait pas. Nous, c'est facile. Hein. On a zéro pression. On voit la carte, on a tout. Mais là, l'exec, là, c'est maintenant. Là, c'est maintenant, s'il vous plaît. Allez, non, juste avant la mollo. Parce qu'en fait, la mollo, les potes, ça va lui faire gagner 6 ou 7 secondes. Et là, les 6 ou 7 secondes, si Zivat il revient à côté A, on est dans le mal. Allez hop, la strat part, c'est bon, on est bien. 5v2, 5 contre 2, 5 contre 2 sur le BPA. Là, il a entendu le reload. On a des infos. On a les infos. Le crossfire est mis en place. On se demande si c'est pas un fake. Hein. Allez, on déboule. Apex qui fait l'entrée. Alex qui fait l'entrée. Gros round et on va les save. On va les save côté Dream Eaters. Allez save. Commencez pas à nous casser les couilles, frère. Il y a 100 euros en jeu là. Là, il y a mes 100 euros, frère. 100 balles, gros, tu vas save. Voilà. Fais la pute et va save. On est bien là. Mmh.
Là on est bien, là on est très très bien, on met un bon round, on est qu'aux 5 armes, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est qu'on va économiser 5 armes, ça veut dire que même si Dream Eaters met le round d'après en 14-14, on a de l'argent pour aller chercher l'overtime. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête, on a de l'argent pour aller chercher l'overtime. Là on est bien. Et l'argent des CT, ah, Zero qui meurt, l'argent des CT on va voir, est-ce qu'ils vont avoir un bon bail? Il y a Krat qui peut dropper une M4. Parce que là, c'est le round du 15. Ils vont pas le lâcher, c'est impossible. C'est impossible, ils ont 3 armes. C'est impossible, ils ont 3K, ils vont la tenter. C'est Inferno. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il a bail. Il a bail. MP9, il a bail. Let's go. On y croit, les potes. On y croit, les potes. On y croit très, très fort. Économiquement, on est bien côté terreau. Vraiment, on est bien. On a full stuff. On perd ce round, c'est pas grave. On peut aller chercher l'overtime. On a un gros round d'armée derrière. On a un gros round d'armée. Tout, on est à 4K. On est très bien. Oui! NBK qui fait le trade. Il donne l'info du M2. Non! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? On a pris une agression à part. NBK qui a réussi à faire le 1 pour 1. Ziwo qui revenge. Le trou est fait sur la map. Oh, le changement de rythme de Dream Eaters. Même moi, j'ai été surpris. Même moi, je l'ai pas vu venir. Oh, les couilles de Dream Eaters. Oh là 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 là. La paire de Corones de tenter un 14-13. Un rush M2 à 3. Zivat, hein, toujours le même. Il a fait 2 kills. On est sur du 2v3. Potentiellement 2v2 sur le A. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dès que c'est split, vaut mieux jouer le A parce que c'est les zones les plus ouvertes. On peut développer un peu sur la longue, on peut faire des fakes et tout. Donc là, on va voir ce qui se passe. Ziwo est full stuff, RPK aussi. Une petite double smoke, une HE là, petite HE dans le pit là, déjà c'est moins 40 ça. Petite HE dans le pit là. Et il va nous mettre la smoke au niveau du BP qui pue totalement la merde. Tout à l'heure, elle les a mis trop mal. La mollo dans le pit. Eh ouais, mais il fait le kill avant, c'est la mollo, faut la mettre au moment où tu mets la HE, frère. Eh ouais, ça passe pas. 14-14, c'est pas grave, on a fait tomber 3 armes côté CT, mais ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour le dernier round. Donc là, c'est gros round buy des deux côtés. Ziwo n'a pas d'argent, mais tout le reste, on a. Est-ce que NBK va dropper un sniper? Est-ce que NBK va dropper un sniper? Parce que là, Ziwo, moi, je l'ai jamais vu au snipe. Je trouve qu'il est... Il est pas aussi... Il s'exprime pas assez, Ziwo, là, à la WAP. Là, il y a une pause, faut parler call, faut parler bail, qu'est-ce qu'on fait? Là, Ziwo, il achète Galil, hein. Il a acheté Galil, Ziwo. Là, il a acheté Galil, Ziwo. Donc, concrètement, c'est catastrophada. SG, pas d'AWAP. Alex, qu'est-ce qu'il fait? Alex, il a 5K. Faut pas trop acheter non plus, parce que si on perd ce round-là, le round d'après, faut quand même avoir de l'argent. Donc, 2K8 pour NBK, il se dit que je pourrais drop derrière. Allez. J'aurais tout misé sur celui-là, perso, avec un sniper, tenter des trucs, mais bon. Ziwo est complètement absent. Non, il est pas absent, il est quand même là, tu vois, mais... Et d'habitude, c'est Zinedine, tu vois. Là, c'est... Ah, et hop, il retente des trucs, les CT, là. Ouh, la flash qui fait mal. Efficace. Prise banane, très agressif. On y va même quand on est smoke, bien joué. Voyez Apex, comment il a peur de rien. C'est ça qui fait plaisir quand on voit Apex. Que quand c'est bankable, il tire la charrette. Faut pas se mentir. Apex, c'est quelqu'un que... dans le rôle, hein, c'est pas la personne. Mais dans le rôle, c'est qu'il y a des choses que je n'aime pas parce que des fois, il est trop seul et tout. Mais il tire la charrette, gros. C'est la locomotive. Hein. Il pousse les gens, il les traîne. T'es là, t'es mutilé, t'arrives plus à marcher. Il vient, il te tire. Hein. Il te met sur son dos, il passe devant et... Et ça fait plaisir quand même de voir une prise banane comme ça, une 15, déjà réalisée. Et regardez ce que ça permet. Ça permet à Kinky, la grosse chèvre, de revenir à 3 en B. Et là, on voit que la défense, ils sont que de A. Et on commence à faire peut-être une petite prise middle. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et là, Apex ne lâche pas. Ouais, il vient de lâcher à l'instant et on va faire une exec. Là, on va faire une exec en A. C'est le bon call. On a un timing de 10 secondes. Parce que de toute façon, Kinky, il peut pas backup. Il a 8 secondes de backup à faire. Donc, on a 8 secondes là pour le faire. Là, il bouge toujours pas. Il bouge toujours pas, le Kinky. Ils vont faire un fake en B là. On va faire un petit fake en B pour essayer de les machins. Fake B, finition A. Fake B, finition A. Et on a Speedak qui est en train de reprendre la short. La Speedak qui est en train de reprendre la short. Il voit rien. Il voit rien. Donc, il va se dire, ouais, les gars, c'est du B. C'est du B. C'est du B. Là, ça arrive en A. Il prend un POC. Il se regroupe BP. Allez, NBK. Faut le violer. Faut le violer, NBK. Faut le violer. Fais-moi le kill. Fais-moi. Non, fais-le. Fais-le. Mais.
Apex, allez, il y en a encore un BP. Il y en a encore un BP. Il reste 5 secondes. Il reste 5 secondes. Non, non, non. Allez, RPK, mets des shots à tout le monde. C'est fini, ils sont déjà là. Et le 15. On a planté la bombe, on va avoir un peu d'extra argent, mais là, c'est chaud. Franchement, c'est là, NBK sur l'appart, là. Là, le mec, il est dans la vodka, il a le temps de repartir BP, il a le temps de se smoke les pieds, il a le temps de sauter sur une caisse. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, NBK, il doit sortir appart, première intention, casser le cul du mec dans la short. Il doit lui casser le cul, même s'il se fait revenge derrière. Par un mec qui est pit, par un mec qui est gréviard, par un mec qui est BP, il faut qu'il y aille, sans peur, avec la plus grande conviction de baiser sa grosse mère, la pute, au mec dans la short. Là, c'est dramatique de se chier dessus, voilà, de se chier dessus, d'avoir peur d'un autre. Parce qu'on l'a vu, il a décalé et après, il a repris sa ligne au niveau du pit et tout. Donc je sais que c'est des situations très compliquées, c'est des situations très 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 difficiles, parce que t'as toujours peur qu'il y a un mec pit en pupute et tout, machin. Mais là, ils font un fake en B, le truc il marche, ils sont 3 B, ils sont que 2 en A, le mec short, il a repris, il arrive à mettre un flic de l'espace, il se fait poker, il y a personne qui le revenge, franchement, ça me rend malade. Et là, on a un bail très très moyen, potentiellement on perd 16-14. Mais je rêve du 15-15, hein. Là, on y croit fort fort fort. NBK à l'ASG. Allez. Allez, on y croit. Faut qu'il y aille sans peur. Merci pour mes 100 euros là, bien joué le jeu de mots. Ouais, et là, regardez. Et là, ça va être le call dramatique. Là, tout le monde va aller B. Regardez, Kinky, il est là en B cette fois. Et cette fois, ils vont être 5 contre 3. Avec un très peu de stuff. Derrière, les mecs en A, ils ont déjà les molos. Ils ont tous les trucs pour les retakes. Ils ont 5 kits. Là, je suis pas d'accord. Vraiment, le call d'avant était excellent. Mal exécuté. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, deadshot. On se smoke. On se smoke. On va traverser les smokes. On va traverser, moins 1, moins 2. Allez, on fait, ça passe pas. Ça passera pas, et voilà, ils sont 3. Ils sont 3 et ça passe pas. Mon argent.